Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Foundation, on relance la partie. Hop, voilà, donc on avait le forgeron qui était en construction ici, très bien. On va pouvoir faire des outils, arrêter de les acheter et du coup ne plus avoir aucun souci d'argent. Ici l'église en construction, il manque surtout de la pierre. Est-ce que j'ai autant de mineurs que possible? Oui. Est-ce que j'avais pris ce terrain-ci? Non, mais je pourrais. En plus j'avais dit qu'on partait dans cette direction pour pouvoir coloniser cette map là, enfin cette partie de la map, donc ouais, carrément. Vous savez, vous avez des petits conseils, putain encore ça, j'avais oublié. Vous avez des petits conseils pendant les temps de chargement, alors généralement vous avez un voire deux, vu que les temps de chargement sont assez rapides. J'en avais un là quand j'ai relancé la partie, c'était penser à prévoir des habitations hautement désirable avant de promouvoir vos citoyens. Donc ça peut être une solution pour choisir où est-ce que les roturiers vont s'installer. Après il y a aussi... oui non en fait, moi je faisais ça et je passais par là. Tac, et je promouvais. Je sais pas comment on dit. Mais c'est vrai qu'après ils vont s'installer où ils veulent. Où ils veulent le. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors le mec qui s'est barré, où est-ce qu'il est? On sait pas. Ouais, deux pêcheurs, un laitier. Ici on va faire des vaches. Le fromage, c'est pas ça. Même si... Non, on en a plein. J'ai un fromager ici, je crois que j'en ai un par là. Ou pas. Il est où mon autre fromager? J'en ai mis un par là-bas, je crois. Non, c'est un boulanger que j'ai mis ici. D'ailleurs, il n'y a personne. Le fromager... Oh, je l'ai perdu. Ah, ici. Non plus. J'en ai combien de fromagers? J'en ai deux, j'en suis quasiment sûr. J'en ai que... Ok, eh bien... Doublons les fromagers. Avec un deuxième fromager. Attends, pause, ça coûte 200, j'ai 200. Quoique, j'en mettrai un bien par là finalement. Vu que ça n'a pas une portée négative. J'ai le grenier, là je peux faire farine et fromage. Sachant qu'il y a la taverne avec les baies. Et on pourra faire des repas, donc ouais. Faisons ça ici. Carrément. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose ici? Ouais, faudrait augmenter le fort. Faut augmenter le... Ouais, non, mais on va être bon. Faut simplement que les mecs viennent livrer. Ce qui devrait être fait. Je peux demander ici, par exemple, de stocker du tissu. Pourquoi pas. Mettre le travailleur... T'aimes la mime, l'enlever? Ah non. Le travailleur ici, voilà. Et celui qui est tout seul, il ne fait rien. Pourquoi? Sans emploi. Je te viens pas de t'ajouter. Ok. Ouais, là vous avez plus grand chose. Ah, si, encore ici. Donc, et là. Il n'y a plus grand chose. Donc, toi, on va t'enlever. On va attendre quand même d'avoir de quoi reconstruire. C'est un peu plus intelligent. Putain, on est si bas. Non, après, le truc, c'est que j'augmente quasiment pas les impôts. Ça n'arrête pas de chuter. Que se passe-t-il, docteur? Non, mais je peux pas cliquer, d'accord. Ok, c'est bon. C'est la nourriture, mais alors je sais pas pourquoi. Vraiment, j'arrive pas à savoir. Alors ici, on va se faire un nouveau petit village. Un peu indépendant, là, sur les buttes. Là. Tac. Tac, voilà. On va mettre donc... 2 cabanes de cueilleurs. Une.
Deux carrières de pierre. Voilà, on va mettre un puits. On va essayer de coller ça à l'endroit le plus moche, histoire de compenser. On va mettre un marché. Camp de bûcheron, ouais, c'est bon, ça va se faire tout seul. Étal de marché. On va faire pain fromage. Non, pain B plutôt. Allez, on va en mettre un troisième. Bon, tu sais quoi, je vais peut-être en mettre deux. Mince, ouais, deux de chaque. Alors 2B de pain peut-être. À voir. Ouais, venez là. Attends, mais tu travailles où toi? Pourquoi tu viens pas là? Trop petit, non. M'étonnant. Ça m'étonne. Donc ouais. Ensuite il va falloir un grenier à côté. Qu'on va mettre ici, pourquoi pas. Comme ça on remplit l'espace avec autre chose que des maisons vu que c'est pas très désirable ici. Il va nous falloir une église. Tiens, dans le bureau des impôts aussi. Qu'on va mettre là. De la pièce. J'ai mis construction libre, c'est une bêtise. Bureau des impôts. Je comprenais pas pourquoi ça montait pas. Capacité de la pièce. Enfin, collectionneur. Il collectionne les impôts. C'est plutôt les habitants qui collectionnent les impôts. Qui a une audience. Une foire au baie. Oui, pourquoi pas, on en a plein. Le fromage, il va juste falloir avoir des fromagers. Ok, de quoi avons-nous besoin d'autre dans cette petite bourgade? Attends, nous voir ici, ville endettée. Oh, ouais. Nourriture, vraiment, je ne comprends pas. Tiens, nouveau, je vous ai oublié. Toi, on va te démolir et t'envoyer de l'autre côté. Oh putain, j'ai pas vu. La rangée de maison ici. Enfin, la rangée, il y en a deux. Oh, ça va 0 sur 6. Donc, on peut promouvoir un gars qui a une maison, mais qui a. Mince, purée, je peux en prendre qu'un. Pénible ça. Bon, mon village ressemble plus à grand chose, je trouve. Ouais, sur les roturiers, je pourrais pousser un peu. Mais bon. Le truc c'est qu'on vend pas trop de pierres taillées parce qu'on en consomme beaucoup. C'est fou de devoir attendre encore de l'argent là, je suis assez étonné. La cabane de constructeur, ouais non, j'en ai besoin pour ici. Et j'en ai combien? De construction, j'en ai trois, alors j'en ai certainement une qui ne sert à rien. Une là, ok. Voilà, celle-ci par exemple, un peu dégagée. On va venir la mettre ici. Voilà, très bien. Tant que j'y pense, on va
faire ceci, voilà. J'imagine qu'il va habiter là. Et non, zéro. Ah, il y a peut-être de la place ici. Bailli, collecteur d'impôts, cuisinier. 1 sur 6. Brasseur, non. Bizarre. Je suis bête, c'est la bière qu'il faudrait mettre là, vu qu'il y a le brasseur à côté. Et oui, elle est pleine. Et du coup, ici, ils peuvent pas... Et le fromage, je le mettais pour ça. Alors, de quoi j'aurais pas besoin? De quoi je n'aurais pas besoin? Pas grand-chose, en fait. Hein. Il me faudrait un deuxième grenier, ici. Pour être sûr d'avoir toutes les ressources nécessaires à la taverne. Boulanger, attends. Je vais le voir. Voilà. Cabane de récolte, très bien. On va attendre que tout soit construit, faire les habitations. Et ensuite... comment dire ? Placer les travailleurs à leur poste de travail. C'est le puits ça, non? Ouais. Je pense qu'on va faire un truc un peu joli. C'est ici le centre en plus. On va faire un truc comme ça. Je vais garder les arbres. Ça va être un petit chemin de... petit chemin pour accéder à... d'un village à l'autre. Une maison est en cours d'amélioration. On est où là? Ici? Waouh! Tu viens te coller au marché, d'accord. Alors attends, je viens de voir José là-bas. Tu veux quoi? Du blé? Non, pas besoin. Qu'est-ce que tu me donnes? Non, c'est le seul ordre avec lequel je suis bien, donc non, pas besoin. Alors attends, on va enlever ça. Mettre... un portail. Voilà. On va reprendre notre petit chemin de ronde. Je vois plus les points que j'ai placés ici. On peut taper un peu plus loin pour être pour avoir la même courbe. C'est un peu plus court du coup. Là on englobe ça. Voilà, très bien ça. Et du coup, toi, tu viens là. Et toi, là. Bon, j'ai pas eu un cerf à quitter le village, c'est assez cool. Pas mal ça. Mieux. Ben voilà. Ok, ici, on vient là. Tac. Je vais certainement mettre un bûcheron, mais juste pour évacuer les arbres. Évacuer, c'est un grand mot. Juste pour couper les arbres ici là. Bon, attends, tiens, on va faire ça comme ça, voilà. Je suis sûr qu'il prend au moins les arbres du chemin. On sera toujours à temps de planter autour des arbres décoratifs. Pardon. Voilà,
il n'y en a plus, les visiteurs sont ravis, c'est magnifique, ils m'ont pompé à 100 et à 100 B. Ouais. C'est pas foufou, mais ok. Là, on les aura pas. Village heureux, très bien. 143 de bonheur, waouh. On a plus 30 de visiteurs ravis. Surplus de B, allez, 10% de plus, 152. Alors, 143 plus 10%, ça fait pas 152, mais bon. Si tu veux. Tiens, toi, tu vas faire ça. Ok, ici, ça bosse, ça, c'est bien. Le fromage ne monte pas assez à mon goût, je trouve. T'habites où? T'habites à côté, qu'est-ce que tu fous? Allez, bosse, bosse. Ah oui. Oui, j'ai oublié ça. Ça peut jouer sur ton temps de travail. Bon, et sinon là, on en est où? Ah, c'est marrant d'avoir camouflé les trucs, ça change totalement la porte. Là, on en est où, ouais. Ah, mais ça y est! Mais oui, très bien, magnifique. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ça bosse, ça bosse. Entraînez-vous les gars. Pourquoi vous entraînez avec des points? Vous êtes un peu con. Ok, si vous voulez. C'est impossible d'avoir des lances en fait. Dès que vous commencez à monter en niveau là, vous avez plus de relance. Non, 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 je vais faire ça. Nouvel arrivant, ouais, et bien. Très bien. Là, c'est une maison, ok. Et donc, j'en ai 6, donc il me faudrait juste plus de fromager, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Et j'ai réussi à péter tous mes sangliers. Je les vois même plus. Non, j'en ai plein. J'en ai 30 ici. Tiens, fais ça. Moi qui les vois pas. Là ils sont là, non, je ne sais pas péter du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est le pain qui commence à être juste. Normalement avec ce que j'ai ça devrait aller. Hein. Plus que les gars sont pas ultra efficaces certainement. Où est-ce que j'ai mis mes autres champs? Mais à côté. Non, j'ai pas dit ici, j'ai mis que ceci. Enfin qu'il y en a 7 quand même, mais bon. Ouais, ok. En attendant, ça bosse. Oui, c'est ça que je voulais voir. Si au niveau des impôts, il n'y a pas des endroits. Si, ici. Voilà, peut-être. Là, ça va, non. Juste un de plus. Ça devrait être bon. Donc, ouais, là. Il manque ça et c'est bon. Hein. Nous arrivons, oui. Viendez. Ouais, vous voyez, on a épuisé le poisson. Pas de source de poisson à proximité. Tu me les mets là quand je fais ça? Non. Qu'est-ce que j'ai eu déjà? L'armurier, oui, c'est vrai. La fonderie. Il manque des roturiers. Voilà, comme ça on va arrêter d'acheter des outils. Très bien. Tiens, on pourrait faire un peu de déco. Et raffiné, tu fais ça comme place et. Ouais, non, portail raffiné. L'entrée est ici, ok. Comme la mettre entre les deux. Vu qu'il y a une entrée là, et de l'autre côté, est-ce que j'ai des entrées? Oui, j'en ai une ici. Donc on va rentrer par là aussi. Voilà. Bureau des impôts construits, ouais, tout est, je laisse construire, on verra après. J'ai plein de sous, je ne sais plus quoi en faire.
Dépense-les, du coup. Du coup, pas du con, évidemment. Ouais. Zéro fromage. Ah, mais attends. On a peut-être pas le temps d'aller chercher hein, tout ce qu'il y a à aller chercher aussi. Hein. Ouais. Le quartz, je sais même. Ah si, c'est pour les statues, ouais. Faudrait le faire. Toi, t'as plein de lait. Non, faut juste bosser, en fait. Elles sont un peu nazes, je trouve, les fromageries. Je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça, mais... Toi, t'as ta farine, t'as été la chercher loin, dis donc. Je crois qu'il a été la chercher en bas, là-bas. Là. Non, même pas. Bizarre. Bon, on va remplir, vu que ça continue à arriver, on va remplir les... Ah bah d'accord, ah non, attends. Voilà. Bûcheron ou est-ce que... Ok, entrepôt. Il n'y a pas grand-chose ici. Enfin, il n'y a pas grand-chose, tout est bien stocké ici. Ici, on pourrait aller chercher peut-être d'autres vêtements, mais je suis même pas certain. Ici. Non, pardon, c'est le même. Là. C'est celui qui est en haut, ouais. Grenier. Un grenier, c'est plus une priorité. Ok, du coup, alors, un peu de déco ici. Donc ouais, le marché va être là. Donc c'est de la bouffe. Portail raffiné construit, ouais, je vais aller voir ça. Là, je l'ai vraiment mal placé. Mais pourquoi j'ai mis comme ça, c'est comme ça. Je sais pas si c'est dans la place de passer au milieu là, j'espère. Après, non, je vais dire je peux les déplacer, non, c'est trop tard, on les a construits. Ça, ça coûte 100 de faire ça? Waouh. Donc B. Alors pas poisson mais viande peut-être. Et pain. Du coup, B. Tiens, B sanglier. Viande. Pain. Ok. Attends, on est encore à 500. Eh ben oui, on produit des outils donc on n'a plus besoin de les acheter donc on est pété de thunes. Donc c'était le seul truc qu'on achetait. Ok, ça avance. Oh, des pierres. Cool. Où ça? Là, ok. Portail raffiné construit, ça c'est bien. Pour mettre... ceci. Peut-être faire ça comme ça d'ailleurs. Ça donnerait quoi ça? Ça donnerait que c'est jamais la bonne hauteur et que ça m'énerve. Mais bon. Bon, on peut pas faire mieux de toute façon, donc faisons avec. Église rustique construite, cool. Putain, on est loin au niveau de la splendeur dans les... le petit peuple là, enfin dans, dans le clergé, dans le petit peuple là. Ouais, j'ai pas droit du tout. C'est bien le butin qu'ils ont ramené. Bon, c'est un peu plus classique, mais c'était une mission facile. Ouais, ça rend bien comme ça. On laisse un passage ici.
entrée-sortie là. Là, pardon, je perds ma voix. Entrée-sortie ici, très bien. Je prends parce que faut que je dépense mon argent, mais j'ai même pas besoin. Ça, j'ai rien. L'église construite rustique, c'était ici, voilà. Bon, les mecs sont contents, mais parce qu'il y a plus 22%, plus 24% de bonus. Hein. Il y a toujours pénurie de nourriture, hein. je comprends pas. Alors là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Alors attends, j'ai encore enlevé les limites du domaine. On va se faire une zone de chasse. Pourquoi pas ici? Moi ici. On va se faire un truc comme ça. Ouais. Et en fait, attends. Vu que je vais vouloir reboiser ça, enlève. Et on va mettre les maisons par là. De toute façon, je reboise juste et lui, je dégage. Et je suis en train de me dire que, attends. Ouais. Je pensais que j'avais placé un gars et que je coupais du bois partout sauf l'endroit où j'avais taillé. Alors on va faire ça juste pour y voir un peu plus clair. Voilà. Et même ça en fait. De toute façon ils y vont pas. Ah oui, ils y vont plus parce qu'il n'y a plus de place. On se refera les zones. Ah, ok. Voilà. C'est très qu'ils aillent péter trop loin. Donc oui, lui va être construit. Ah, il passe par là, d'accord. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ici, on va se faire une petite place. Hop. D'accord, tu veux pas... Faut que je termine sur toi, en fait. Dommage qu'on ait pas autre chose que des portails en bois. Non, comme ça. Bon, c'est pareil. C'est dans l'autre sens en fait, mais vu que je me suis trompé de l'autre côté, je fais symétrique. Le point là c'est bon. Pas mal non ? Qu'on fera s'y construire. Hop, reboisement. Reboisement tout ça. Je verrai ce que j'y mettrai après. Reboise autant que tu peux, voilà. Si je mets pas de bûcheron, ça risque d'être compliqué de tailler. Des choses ici. Donc viens là. Voilà. Alors ensuite au niveau des biens. Maintenant attends, un tailleur de pierre, ouais. On va mettre. Attends, je suis pas satisfait de ça. Je vais essayer de la place pour les vêtements, le marché va s'étendre en fait là. Et je t'arrondis, c'est pas plus joli.
merci, beaucoup plus joli. Je suis quasiment sûr que j'ai dépassé la demi-heure en fait. Non, pile poil, wow. J'ai une horloge dans la tête. Ok, ouais, du coup, on va agrandir le marché, je vais faire des vêtements aussi. Et attends, qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, pas du pain, du fromage. Étal de marché, on va mettre... des vêtements, on va en mettre deux. Bon, quoique, un suffirait. Ouais, un suffirait. Vêtements et peut-être des bougies ou quelque chose comme ça, vu qu'on va pas tarder à faire le monastère. Vêtements. Produits de luxe. Vêtements. Je vois plus rien là. Produits de luxe. Boum. Camp de bûcherons construit. Ouais, alors là je vais mettre 3 gars. Et donc on va espérer qu'ils puissent tailler tout ça. Sachant qu'ici alors. Ah. On va faire ça. Pour qu'ils aient accès aux arbres. Voilà. Et là pareil. C'est d'ailleurs amusant qu'on puisse retoucher les à volonté. C'est un des rares trucs qu'on peut rebouger. Les petits murets, etc. Ok, alors on va leur faire ensuite. Alors j'avais pas vu, pardon. Oui, marché conclu. Très bien. Tiens, pas en dépenser des sous, continue. Alors le grenier, ouais, j'ai mis ce qu'il y avait à mettre, c'est bien. Ensuite, on va mettre un petit tailleur de pierre quand même. Sachant qu'attends, si je mets une zone résidentielle, c'est ouais, c'est plutôt de ce côté les habitations. Donc on va mettre un petit tailleur de pierre ici. On peut même le mettre derrière plutôt. Avec un entrepôt. Ici. Voilà. Ah, j'ai tout acheté. Bon, bah écoute, on va stocker l'argent, tant pis. Et on va en perdre un peu. Ça c'est bon. Ici, B sanglier vient 20 viande. C'est bon. Pain viande plutôt. Donc on va mettre production de nourriture, une hutte de chasseur. On va mettre pourquoi pas. Alors je sais jamais où il est son truc. Mais il est où l'entrée de ta baraque? Je suis sûr que je la vois pas parce qu'on est trop bas dans le sol. Après je vois pas de porte. Si là, d'accord, je sais dans le bon sens. Hop, on va en mettre un ici. Et à côté son copain. Le boucher, voilà. Très bien. Alors est-ce qu'il arrive à me couper ses arbres? Je vais pas vraiment dire en même temps. Celui-ci, je suis pas sûr qu'il y arrive. Ouais, il fait le tour du coup. Il fait le tour. Le bail Bayonne. Ok, donc ici je vais mettre un entrepôt. Enfin ici non, plutôt là. Tant pis, ils iront chercher les choses ici. Tiens là, voilà, très bien. Ok, allez, un peu de déco pour terminer. Et là vous dites, oh non, c'est la fin de l'épisode. Ah oui, 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 les villageois, venez, venez, venez. Une nouvelle ville, on va ouvrir ses portes. Nouveau petit village, nouvelle petite bourgade. Alors attends, je vais me laisser un peu d'espace ici. Ouais, c'est à peu près symétrique. Cool.
combien ici? 15? J'y monterai pas, 15. Très facile, bof. Lance, oui. Donc, au niveau des décos, qu'est-ce que j'aurai? Une petite fontaine, hein, y a pas? Si. Ouh, mais j'ai même mieux. J'ai la vraie fontaine. Pas mal. Est-ce qu'elle passerait là? Ouais, elle gênerait un peu. Celle-ci, non. Bien, vas-y. Je crois qu'on va mettre des bancs tout autour. Bancs en pierre modeste, ouais, pourquoi pas. Tailleur de pierre construit, très bien. On va agrémenter tout ça avec des arbres. Putain, pour siffler les thunes, c'est pas mal ça. Oh, mais c'est pas possible, c'est si attirant que ça mon village. Hop, voilà. Qu'est-ce que je mets comme arbre? Taille ronde, bof. Ça fait un peu moche. Arbre en pot. Ah bah très bien. Alors ça coûte combien? 20 j'ai l'impression. Non, un peu plus. Tiens, on a passé un cap. Si, ça coûte 20. Ok. Et alors du coup, la désirabilité doit exploser. On va pouvoir commencer à mettre du monde. Il a réussi à me couper les arbres là, c'est cool. Bon, débrouillez-vous. Tant que vous arrivez à tous rentrer, là vous avez le droit d'habiter. On va s'arrêter là. Et après... Bon courage. Donc ensuite, il va nous falloir faire de la bouffe. Alors là, on peut enlever. Le bûcheron va bûcheronner. Là, je vais pas faire forcément de la bouffe. Bon, après, on en a déjà ici avec la production de... Hop, de viande, mais bon. Si on peut faire quand même un peu de fromage et un peu de pain, c'est quand même mieux. Et ils ont pas forcément envie d'éviter là, c'est fou. C'est fou. Après, il y a aucun emploi là pour l'instant. Les mecs sont pas employés. Donc ici, on va mettre 2. Bouffeur de baie. Cueilleur de baie. Bouffeur de baie. Oui, bouffeur aussi, mais. Une cabane de chasse. Et les deux derniers ici. Voilà. Tac. Donc. T'as replanté, ouais c'est bon, je vais le dégager. Forestier. Tu n'es plus forestier. Et donc ça devient une zone de chasse. Un gisement de quartz, wow. Impressionnant.
Et enfin! Franchement, elle est magnifique cette place. Qu'attendez-vous pour habiter là, les gens? Donc, ouais, toi, tu vas bouger. Tiens, attends, on va faire 2, 3. J'en ai qu'un, ok. Mets-moi du bois là pour l'instant, comme ça on le décharge. Du bois, des vêtements. Qu'est-ce qu'il va falloir? Peut-être des objets visuels si on en a. Et. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ouais, t'as une deuxième maison là. Voilà. Combien de deux? Deux. Ok. Ici, t'as commencé à stocker du sanglier, de la viande. Ah, mais bon, on devait être fou là en fait. Hein. D'accord. On attend de travailleurs, oui. Il est en train d'arriver du bout du monde là-bas. Je pense qu'ils arrivent tous là. Hop, j'ai une belle miniature là. Comment on arrive à la fin de l'épisode? Oula, oulala, oulala. Alors attends, je me reprends le bon angle. Hop. Moi, non, j'aimais bien de près. Avec la fontaine. Yes. Tiens, on va cacher la souris dans les pins. Hop. Voilà, bon. Bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit village? Prometteur, non? Il y a moyen de faire un truc joli. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Salut à tous.